Sur le côté. Bienvenue pour ce nouveau 3C en compagnie de Dandy. Coucou Dandy. Salut Pauline. Comment bonjour ça va tous. Bah ça va, écoute, on vient de finir un magazine, donc c'est bien. Oui, c'est vrai que pour vous c'était le bouclage là il y a quelques jours. Ouais. Ça va, pas trop crevé? Ça va. Pour une fois, ça s'est bien passé, il n'y avait pas trop de cartes graphiques à tester, donc voilà. Ouais. À part pour ceux qui suivent, on est venu embêter Yvan pendant le stream vendredi, mais ça va. Mais il a expliqué, je pense, qu'il y avait un problème avec, avec la primeur, mais tout s'est bien passé. Bon, bah tant mieux. Du coup, il sort quand le mag le... Normalement, il sort à peu près le 24. Je pense que, trop comme cool. d'hab, les abonnés devraient le recevoir un peu avant. Ouais, normalement, ils sont envoyés demain aux abonnés. Voilà. Ah oui, déjà? Ok, bah, très bien. Bah, en tous les cas, coucou tout le monde, hein, bienvenue à ces nouveaux 3C. Bah, du coup, comme on fait à chaque fois, on va découvrir notre invité du jour, donc qui est Dandy. Et on va commencer du coup avec, tes coups de cœur du moment. Et rien de mieux que de commencer avec un super jingle que je vais mettre tout de suite. Là, hop là, voilà, c'est compliqué ce matin. Ah, c'est pas allé, ça. Ouais, c'est compliqué. Du coup, on en était où? Ça m'a perturbé cette histoire de scène. Ah oui, du coup, Dandy Doy, est-ce que tu joues à quelque chose en ce moment? Bah, pas spécialement, parce que du coup, comme je viens ouais. de finir un magazine, j'ai pas trop le temps de jouer et mes soirées se passent plutôt devant la télé. Ah! Voilà, j'ai rien installé de spécial pour le moment. J'ai acheté le jeu du donjon de Nullbuck. Donc peut-être que je vais m'y mettre dès que j'aurai fini de finir tout ce qui reste après ouais. le magazine. Mais c'est tout. Mais j'ai vu que les gens avaient l'air d'aimer Valheim. Oui, c'est vrai qu'on en C'était entend. Assez à la mode. Ouais, on en entend pas mal. On en entend pas mal parler. Je suis même allé lire du coup le test d'Agbou et ouais, ça a l'air sympa. C'est de la survie chez les Vikings, je crois. Ouais. Ouais, bah tu vois, ça, dans le chat, ça y est, ça Oui, voilà. fait, ça fait déjà réagir. Alors, Yutani, la faute dans l'édito du magazine, bah, faut attendre qu'il arrive, hein. C'est bientôt. Mais on va pas lâcher ça ici. Ah, c'est par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. D'accord, mais... Ouais, parce qu'on l'a expliqué sur Twitter, on a juste dit que, voilà... Il y a une info intéressante qui va arriver, mais Moi, voilà, je sais. c'est surprise. Toi, tu sais. C'est ça. Ah ouais, en fait, ça fait du gros tease sur Twitter. Et du ouais, coup, c'est voilà. Une de fou, bah ouais. Après, alors, DocTB revient, ça on peut le dire, mais c'est pas ça la nouvelle. DocTB, il est juste venu faire un petit article pour faire plaisir. Parce que c'est quelque chose qu'il avait voulu tester avant de partir, donc il y a longtemps, et qu'il a enfin réussi à voir. Donc voilà, ça va être cool, c'est du matériel particulier, et c'est amusant. Hâte de voir ce que c'est. Ouais, toi je suis pas sûr que ça va vraiment te parler, mais disons que les gens qui le suivent depuis longtemps, ouais, trouveront ça sympa. D'accord, Il y a bon, du coup, quelques on trucs verra comme ça ça. dans le prochain mag. Ouais. Ok, cool. On a hâte de voir ça. On a hâte. Enfin, de lire ça, surtout. Oui. D'accord, ok, Non, mais donc... il y a de jolies photos. De quoi, dans le mag? Ouais, il y a de jolies photos du truc en question. Parce que Ouais. Samuel fait des belles photos. Ouais, ça... Un vieux processeur Intel exotique. Bon, c'est à peu près ça. Hein. Il y a beaucoup de processeurs Intel exotiques dans ce numéro. D'accord.
Bah écoute, on va voir ça. Donc du coup, il sort le 24, le mag. Donc on pourra Ouais. lire et découvrir tout ça. Ok, Voilà, bah à sortir du super. 24 ans en kiosque. Ouais, ok. Cool. De toute façon, on en reparlera à la fin. On en reparlera à la fin de l'émission. Et vous, le chat, c'est quoi votre jeu du moment? Alors, je sais que aussi Dandu, toi, ouais, du coup, en ce moment, t'as pas trop le temps de jouer. Mais il y a un jeu, il y a un vieux jeu, ça me tient à cœur d'en parler. Il y a un vieux jeu qui refait surface et qui revit de ses cendres, et c'est trop cool. C'est Ouais, H1. j'ai vu. Ah ouais, c'est H1 Z1 là qui est en train de revivre. Et c'est voilà, je tenais à le dire parce que c'est vraiment très émouvant. C'est beau ce qui se passe. C'était un jeu qui était mort il y a. Je sais pas, il y a en 2018, je crois. Ou fin 2019. Et là, il revit, là. C'est trop bien. Voilà. Ah oui, je me souviens que tu jouais beaucoup, ouais. Oui, à l'époque, ouais. À l'époque. Voilà, c'est bien, ça va changer un peu de GTA RP. Bah non, moi, voilà, j'ai continué à jouer à Animal Crossing, mais en même temps. Ouais. Je fais pas grand chose du coup parce que voilà, j'ai une jolie île, il se passe rien dedans. Et voilà, tous les jours, juste dans ce jeu-là, t'as des achievements, en fait, t'as des badges quand tu fais des trucs, mais c'est super répétitif. Ouais. Et donc je les remplis au fur et à mesure, mais il y en a où c'est un peu décourageant, quoi, parce que tu dois pêcher des poissons et faut que j'en pêche 5000, quoi. Donc voilà. Ah la vache, 5 000. Ah, c'est Ouais, pour avoir énorme. le dernier badge, c'est 5000 et c'est beaucoup. Là, je suis à 2000. Donc, j'en ai pour un moment. Mais tu joues toujours tous les jours ou pas? Oui, mais un petit peu. Ouais, genre Donc, tu t'allumes, tu fais tes petites quêtes de la journée et. ouais, voilà. Je fais les quêtes la journée et j'essaye d'avoir des fleurs. Et les fleurs, c'est relou. Enfin, en fait, tu dois faire des croisements pour certaines couleurs. Ouais. Mais c'est des croisements genre compliqués où tu en as pour 2 mois de. Faut faire ça, ça, ça pour essayer d'atteindre telle couleur et il m'en manque une. Donc j'essaye quand même d'avoir la dernière, mais voilà. Et c'est assez aléatoire. D'accord. Bon, ça va finir par arrêt. Faut faire un script de pêche. J'ai vu des Faut. gens qui faisaient ça, ouais. C'est vrai? Mais Ils tu ont des fais. appareils qui. Enfin, c'est pas des scripts de pêche, parce que pour la pêche, c'est compliqué. Mais par exemple, tu dois fabriquer des outils, tu dois crafter des trucs. Et bah, c'est hyper répétitif, quoi. Tu pousses juste sur le bouton, en fait. Et il y a des gens qui ont fait des appareils qui poussent à leur place, ouais. Arrête. Donc tu dis, voilà, je dois en fabriquer 10, j'ai C'est tout ce qu'il génial. faut. Et le bouton pousse le nombre de fois nécessaire. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ah, je savais pas du tout. Ah ouais, ça va loin quand même, hein. Ah bah, il y a des gens qui s'amusent, ouais, avec ce genre de truc, C'est D'accord. comme pour les gens qui essayent de finir des jeux rapidement, ils ont parfois des solutions originales, on va dire. Ouais, c'est ça. Là là, bah d'accord, ok. Bon, bah Ouais, tu... je suis complétionniste. Enfin, en général, ouais, quand je fais des jeux comme ça, qui prennent pas trop de temps tous les jours, ouais, j'essaye de compléter. Tant que ça prend pas 3 heures, ça va. Tiens, il y a une question pour toi. Alors là, on change un peu de sujet, mais c'est vrai que tu es un gros utilisateur de Mac. Et du coup, c'est une question... Bah du coup c'est Yutani qui dit Ouais, je vois ça. voilà qui dit tu es un gros utilisateur de Mac, fan de la marque, mais tu testes 3 milliards de matos PC de façon objective, c'est pas frustrant. Alors, non, c'est pas frustrant parce que, bon, déjà, tester le matériel PC, ça peut être amusant. Et puis, bah, c'est une grosse partie de mon travail, donc voilà. Non, j'utilise le Mac à la maison parce que c'est plus efficace pour travailler, je trouve. Après, ça fait voilà, ça fait 15 ans que j'utilise des Mac maintenant, un peu plus. Ah ouais. Et j'ai toujours trouvé ça pratique, et donc voilà, je suis resté dessus. C'est pas dit que je vais rester à travailler dessus non plus encore 20 ans. Il y a des choses qui peuvent énerver, mais voilà. Le lapin qui clignote derrière Ah, moi, ce fameux lapin. c'est un Nabastag, c'est ça. Nabastag, ça veut dire un lapin en arménien. Et c'est un objet connecté super vieux. Donc ça, ouais, 15 ans maintenant. Qui parle de temps en temps. Alors, Qui fait peur. non, il Si, parle. faut le dire. Non, ça fait peur.
Il bouge les oreilles, il s'allume un peu, et normalement, mais il va pas s'allumer. Normalement, il va parler à 9 h. Ah, 9 h. Ouais. Ok. Bah écoute, on va voir ça dans 15 minutes. Voilà, il s'allume et il va juste donner l'heure, sûrement. Je sais pas si on l'entendra. Ah, Et voilà, j'espère. c'est juste, il donne l'heure et il parle et il bouge. Alors en fait, celui qui est là, il est connecté. Même son serveur, parce qu'il a été modifié. Il y a les créateurs du lapin ont sorti il y a 1 ou 2 ans une carte à mettre à l'intérieur pour le connecter sans serveur. Donc il Ah oui, fonctionne mais c'est toujours. vrai que tu avais expliqué une fois, ouais, qu'il y avait eu des problèmes de serveur avec ces petits lapins. Bah, ça avait été fermé, mais là les créateurs ont ressorti une carte. Donc celui-là il était ouvert et il y a une carte à l'intérieur qui le fait fonctionner. D'accord. Ouais, bah écoutez, on verra à 9 h, vous allez voir que c'est flippant. Je me souviens, hein, j'ai des souvenirs de ce petit lapin. Moi, après, une fois, il a fait peur à un réparateur chez moi. C'est vrai? Non, Ouais, génial. le gars s'attendait pas à ce que le truc parle. Bah oui, non, c'est surprenant. Mais sinon, non, ça fait pas vraiment peur. Parfois, il crie, hein, enfin, il fait « Ouh là là, c'est quoi ce bruit? » Il fait du bruit, mais Ouais. normalement, il fera pas grand-chose entre 9 h à 9 h 30, c'est un peu tout. D'accord. Ouais, mais bon, on sait pas, imagine, il prend vie. Et non, il a pas une voix de lapin. Il a la voix d'une personne normale. En fait, il y a des voix enregistrées qui ont été faites par une actrice simplement. Et le reste, c'est de la. Mais regarde, il a changé couleur. Ouais, il change un peu de couleur, il s'allume. Moi, je vous dis, il est bizarre ce lapin. Bon, on verra à 9 h en tout cas. Ouais. Ce que ça va donner. Ok, du coup, on va passer à la prochaine petite rubrique. Bon, on en a. Attends. T'en parlais tout à l'heure. Attends, je vais mettre le petit jingle. Hop là, c'est bon, là normalement on t'entend. Donc le lapin ne dit pas gloire à Satan. Mais t'imagines, demain il fait quelque chose de pas normal, tu vois. Enfin, de pas. Du pourquoi il a été programmé. Ça arrive pas. Dans le pire des cas, On sait il rajoute pas. de temps en temps des fonctions d'époque. Ça c'est sûr, mais ça va pas plus loin. Parce qu'à l'époque, ils pouvaient même raconter des livres aux enfants. Ils D'accord. avaient vendu en fait des livres en partenariat. T'as une sorte de petite puce à l'intérieur du livre, un tag RFID comme il y a parfois comme il y a dans le Pest Navigo, ce genre de truc. Et si Ouais. tu passais devant, il racontait l'histoire. Mais D'accord. ça marche plus trop parce Définitivement. qu'on n'a pas tous les fichiers. Et toi, t'as pas essayé de le programmer ou d'en faire un truc? Bon, j'ai déjà mis. Voilà, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On peut le faire parler. On peut lui faire faire des trucs, mais ça reste assez limité. Même à l'époque, c'était pas génial quand il y avait encore des serveurs à un abonnement. Ici, voilà, il peut parler, il peut réagir quand je passe des tags, mais c'est à peu près tout. D'accord, il y a Bazako qui dit t'as pas peur contre le carotte. J'en ai un avec une clé USB, mais en forme de carotte. C'est vrai? Oh, ça doit être trop mims pour le coup. Pas Bon. tellement, mais Ah, c'est vrai? Voilà. j'irai le chercher après. D'accord, tu le montreras. Oui, de toute façon, on en reparlera tout à l'heure parce que ben là, on fait encore une petite rubrique et après, on passe aux questions machin et je pense que tu vas en reparler, je Ouais. suppose. Du coup, la prochaine rubrique, mais tu en as parlé un petit peu au début, c'est quoi ton coup de cœur actuellement geek, donc culture geek, ça, tu vois, s'il y a un film, une série ou musique, quelque chose, mais comme tu as dit que tu étais pas mal devant la télé en ce moment, tu regardes quelque chose? Merci pour les follow. Les subs. Alors, Merci les ouais. gars. En ce moment, bah, j'ai regardé un peu comme tout le monde WandaVision. Ouais. Dans les séries que je regarde, je me suis mis à la série 10%. C'est pas geek, mais voilà, j'avais jamais regardé. Je sais pas si tu connais, c'est une série Non, française je connais pas sur. du tout.
C'est une série française sur des agents d'artistes. Donc c'est une agence voilà, qui gère les artistes et du coup, voilà, tu suis leurs aventures, ils reçoivent des gens connus. Donc c'est pas mal, c'est sympa. Voilà. Ah, Et 10%, c'est le droit validé. C'est une série ouais. de... C'est quoi? C'est Netflix ou c'est... C'est sur Netflix. Pour le 10%, moment, ça en me tout dit cas, rien du c'est tout. sur Netflix. D'accord. Il y a 4 saisons de 6 épisodes, donc ça va assez vite. Et bah, tu vois plein d'acteurs français connus, quoi. D'accord. Ah, c'est Mais oui, France c'est... 2. D'accord, ok. Ouais, c'est France 2 et ça a été repris. C'est dispo sur Netflix et sûrement sur Salto et d'autres. Et je suis pas encore à la dernière saison et je sais que c'est moins bien. Mais voilà. Ouais, Mais c'est donc ce voilà, qui... tu suis leurs aventures, leurs histoires de cœur, tout ce qui va avec. Ah, c'est cool. C'est assez sympa. Puis bah voilà, t'as plein de gens connus, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Et sinon, j'ai Ok. commencé. Il y a une série animée sur Pacific Rim. Qui est pas mal. D'accord. Donc, Pacific Rim, voilà, c'est des gros robots contre des gros monstres. Et, voilà. Et ici, c'est une version animée et c'est beaucoup mieux que le deuxième film. Et voilà. D'accord. Et que tu regardes sur quel... C'est sur Netflix aussi. Sur Netflix aussi, d'accord. Honnêtement, j'ai d'autres services, mais voilà, je sais pas, c'est pas ce que je vais regarder au départ. Je regarde sur Disney+, ouais, j'ai regardé WandaVision, il va y avoir une autre qui arrive cette semaine, je pense, avec 2 autres personnes de chez Marvel, le Soldat de l'Hiver et le Faucon, voilà, on va voir ce que ça va donner, mais c'est tout. D'accord. Ah, j'ai vu, il y a le trailer qui est sorti là, non? Ouais. Ouais, je l'ai vu, j'ai regardé ce matin, tiens, tu vois. Ouais, c'est qui a l'air vachement bien, d'ailleurs. Enfin, moi, en tous les cas, ça me donne bien envie de le regarder. Oui, je pense que voilà, ils ont beaucoup Ouais. de budget et ils font des choses sympas Ouais, avec ça. ça a l'air vachement cool, ouais. Bah, la série WandaVision, c'était assez bien fait. C'était un peu limite sur certains effets spéciaux, mais dans l'ensemble, voilà, l'histoire était sympa et ils ont réussi à piéger un peu les gens, c'était cool. D'accord, ok, j'ai pas du tout regardé. Et donc, ouais, il y a quelqu'un qui parle de le deuxième film Pacific Rim. C'était vraiment pas bien. Ça avait l'air horrible, là, ouais. Ouais, non, mais c'est. C'est le cas? Ouais, c'est vraiment nul. Enfin, c'est vraiment très différent du premier. Moi, je l'adore le premier, tant pour la musique, parce que c'est un des rares films où t'as l'impression de. Voilà, c'est des robots géants. Et t'as vraiment l'impression qu'ils sont géants, quoi. Tu sens bien que voilà, le truc, il est énorme. Ils font la taille d'immeubles et tout. C'est cool. Et Oui, c'est... le deuxième film, déjà, tu perds tout ce côté-là, et puis c'est débile. Il y a des histoires de gosses débiles, c'est beaucoup moins sombre. Et voilà. La série animée, c'est. On suit des adolescents. Là, j'ai regardé que 2, 3 épisodes, et ça va, c'est pas mal. D'accord. Ok, il y a, y a Chouzu qui te demande si tu as regardé Débris. Non. Ouais, je Ça, connais. je sais pas ce que c'est. Ouais, je, moi non plus, je connais pas du tout. Non. Je connais pas, je connais pas. Il y a de, moi j'ai commencé la nouvelle série, je sais pas si t'as vu, donc c'est une série Netflix, c'est The One. Je sais pas si t'as vu. Ça, j'ai pas vu. Je crois qu'elle vient de sortir. Ou en gros, l'histoire c'est que c'est des, c'est une entreprise qui a, qui, enfin en gros c'est une application qui te permet de trouver ton match amoureux parfait grâce à la génétique. Ah oui, c'est. Ouais, c'est, j'ai commencé, Ça doit être pas mal. j'ai commencé ce week-end. C'est, pour le moment c'est assez cool. J'ai regardé quatre épisodes je crois. Donc voilà, à voir, à voir, à voir. Et du coup, c'est assez cool. Merci pour les subs. Merci beaucoup, les gars. Merci pour le Twitch Prime, Matt. Merci beaucoup. Ah bah, tu vois, il y a Petit Pois qui dit, j'ai fini la série The One et c'est plutôt pas mal. Bon bah, cool. Je suis contente. Cool. Ok, bah très bien pour ces petites infos. Bah on va passer à la petite prochaine rubrique, où c'est la rubrique qui a pas de jingle, mais j'en mets un quand même. Et du coup, c'est pour découvrir notre invité. Je mets le petit jingle.
Hop là. Du coup, c'est vrai que c'est un peu le nouveau format des 3C, hein, où on en profite pour découvrir un petit peu notre invité d'une manière un peu différente que dans le cadre habituel, on va dire. Du coup, j'ai des petites questions pour toi, Dandu. Vas-y. Du coup, ma première question, c'est savoir, est-ce que tu as un objet fétiche ? Bah, on va dire le Navastag. Hein, c'est ce qui m'a permis de faire mon site internet. Donc ton petit lapin. Hein. Ouais, c'est le lapin qui est là derrière. Voilà, j'en ai acheté un. En gros, quand j'ai commencé à travailler, c'est un des premiers trucs que je me suis acheté parce que je l'avais bien aimé quand je l'avais vu, mais je trouvais ça trop cher à l'époque. Ça coûtait une centaine d'euros en 2005, à peu près. Mmh. Et donc j'en avais acheté un d'occasion, et puis j'en ai acheté... bon, alors là, il y en a un d'allumé qui fonctionne, et c'est tout. Il y en a 7 ou 8 derrière moi, dans l'autre pièce. Voilà. Oui, c'est ça, t'en as un petit peu, hein, du tas. Ouais, il y en a plusieurs, un peu de toutes les sortes, parce qu'en fait, il y a plusieurs générations. Donc il y a 3 générations, c'est ça, la deuxième... Et il y a un modèle qui a été dessiné par un artiste et des trucs comme ça, donc il y a quelques modèles. Tu peux changer les couleurs d'oreilles, hein. Donc là il a des blanches, celui-là. Mais j'ai une boîte remplie d'oreilles un peu de toutes les couleurs. Ah, génial! Mais il n'y en a qu'un qui est manché. Ouais. D'accord, il n'y en a qu'un qui fonctionne. Mais les autres fonctionnent quand même, mais où ils sont... Ça dépend. Alors celui-là il fonctionne tout seul parce qu'il a été modifié, donc il n'a pas besoin de serveur. Les autres ils peuvent fonctionner sur un serveur. Alors j'ai un serveur qui a été fait chez moi, juste il y a une carte Raspberry Pi qui sert à ça, mais ils sont pas configurés, donc mais oui, a priori ils peuvent tous fonctionner. D'accord. Et voilà, à l'époque j'ai commencé un site internet sur ça il y a un peu plus de 10 ans maintenant, du coup. Ah, t'as commencé comme ça? Le site internet Journal du Lapin, ça a été commencé sur ça. Ah. C'était vraiment pour parler. Enfin, le site a été fait pour parler de la troisième génération qui allait sortir, parce que j'avais eu des informations que j'avais trouvées, donc j'ai commencé à parler de ça. Bon, au fil des années, du coup, il n'y a pas d'actualité, donc il n'y a plus grand-chose à dire sur les lapins. J'en parle pas souvent, parce que voilà, il n'y a plus grand-chose qui sort, mais au fil des années. C'est assez régulier quand même, j'en reparle. Et voilà. D'accord. Ah, je savais pas du tout que c'était à partir... ça commençait comme ça, en fait. Si, si, c'est pour ça. Ouais, la boîte remplie d'oreilles, je sais. c'est un peu bizarre, mais ouais. C'est comme ça. Ok. Du coup, j'ai une deuxième... Enfin, du coup, la question suivante. Alors, ça vient peut-être sur le même sujet un peu, mais est-ce que tu collectionnes quelque chose? Est-ce que tu as une collection? Alors... À part les lapins, du coup, est-ce que c'est un peu une collection de tes petits lapins? Ouais, après, les lapins, je les collectionne plus vraiment parce que j'ai à peu près tous les modèles. Mmh. Donc... Ouais. En fait, j'ai des recherches quand même sur des trucs plus rares. Donc, il y a des objets qui existent de la société, que voilà, qui sont un peu introuvables. Ils ont sorti un truc en fait après le lapin. Ils avaient une sorte de lampe, mais il y en a eu très peu de produites et c'est tous des. Ça n'a pas été commercialisé, donc voilà. Il y a peu de chances que j'en trouve une un jour. Ah. Non, ce que je collectionne, c'est les disques d'un groupe belge que j'aime bien. Ouais. Mais j'ai à peu près tout. après, voilà, j'entasse des tas de trucs rétro. Bah, on voit les caisses derrière moi, mais il y en a sur les côtés aussi. Il y a un peu de tout dedans. Donc ouais. Le groupe belge en question, c'est Overphonic. C'est un groupe belge qui tourne depuis 25 ans. Ah. À peu près. C'est quel style de musique? Hmm, c'est quel style de musique? Alors, à la base, c'est ce qu'on appelle du trip-hop, un peu comme Massive Attack, dans les D'accord. premiers albums. Au fil du temps, c'est devenu beaucoup plus pop, en fait. Ils représentent la Belgique à l'Eurovision cette année. Oh, d'accord. Voilà. Bah, ils devaient le faire l'année dernière, mais comme bah, y a pas eu d'Eurovision, ouais. Voilà. Mais du coup, cette année, ils refont aussi...
Voilà, mais j'ai collectionné leurs CD, des vinyles et tout ça. Et ils sortent régulièrement des rééditions des vinyles de l'époque. Parce que les vieux vinyles, ça coûte super cher. Surtout quand c'est des groupes un peu vieux. Et donc, voilà, au fil du temps, je collectionne. Et après, j'ai les figurines Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Elles sont dans une armoire, elles sont dans l'autre pièce, dans une étagère. J'en ai collectionné, mais j'achète pas tout parce que voilà, c'est Ouais, après, ça il y fait en une a, petite fortune. en gros, il y en a une qui sort tous les mois à peu près, en moyenne. Une Donc figurine? c'est ouais, ils en sortent à peu près une par mois, mais après il y a beaucoup de rééditions. Ah, d'accord. Donc soit voilà, ils font des choses genre ah tu l'as aimé dans telle couleur, maintenant on te le sort dans telle autre couleur, mais c'est les mêmes. Ou ils rééditent parce que parfois c'est des trucs qui sont devenus introuvables avec le temps. Donc sur une année, ouais, sur une douzaine, t'en as 4 ou 5 qui sont des nouveautés vraiment. Et je me limite à certains personnages parce que sinon c'est compliqué à stocker, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Déjà là, j'ai une étagère qui est bien remplie. Et en vrai, j'en ai à peu près le double, mais le reste sont dans des boîtes. D'accord. Mais je crois Je change que de temps en temps. on avait fait une fois un 3C où t'avais reçu un colis et tu nous avais fait J'ai un reçu unboxing. un colis du Japon, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, Alors, parce que là, ça tu l'as m'arrive. fait. Hein. Comment? J'en sors encore de temps en temps, mais avec la pandémie, ça prend longtemps en fait. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais, si parce que là, tu les fais tout importer. Les figurines, ça dépend. Parce qu'il y en a qui sortent en France. Quand je suis certain qu'elles vont sortir en France et qu'elles ne sont pas en édition limitée, je les achète ici, un peu plus tard. Parce que ça évite de devoir. Ça évite de payer peut-être de la douane en fait. Donc, quand Ah je les ouais. commande au Japon, c'est en théorie c'est moins cher. En pratique, parfois ça arrive et le facteur il arrive et bonjour, il faut payer 40 euros de douane. Ce qui n'est pas. Voilà. Pas Ouais, très agréable. Donc quand je suis certain qu'elles vont sortir ici, je les achète ici. d'accord, ok. Mais c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des trucs qui sont exclusifs au Japon, d'autres qui sont en édition super limitée. C'est jamais vraiment. Non, ce que j'achète au Japon, c'est souvent du matériel simplement. Parfois c'est pour le magazine. Ouais, tu fais J'aimais des des petites trucs. trouvailles. Ouais, il y a des trucs pour trop pour des tests qui arrivent. Mais je sais jamais quand ça va arriver parce que je fais venir par bateau. Parce que en fait, j'achète parfois sur des sites d'enchères et des choses comme ça japonais. Donc c'est une société là-bas qui achète pour moi. Moi, je les paye au e-stock. Quand ils ont assez, on peut faire venir. Mais ça peut prendre du temps. Donc moi, je fais venir par bateau parce que c'est beaucoup moins cher et ils annoncent 2 mois en général, et en temps normal, ça Deux prend à peu mois. près 2 mois. Mais là, avec la pandémie, ça prend 3 mois au minimum, quoi. Ouais. Alors, comment je suis entré à Canard Bah, c'est ce que Pêcheur j'étais en train de lire, ouais. Noir? Par DocTB, en fait. Qui s'est passé plus exactement? Parce qu'en fait, mon premier boulot chez Tom's Hardware, présent spécial à l'époque, je l'ai eu grâce à DocTB. DocTB avait un site internet qui s'appelait X86 Secret, il y a très longtemps, Ah il y ouais. a genre, ouais, il y a 20 ans, on va dire. J'étais beaucoup sur son forum, je lisais, je discutais pas mal, donc voilà, c'était un forum. De hardware, les pages existent toujours sur Canard PC en fait. La partie forum est toujours là sur Canard PC, mais c'est en accès limité uniquement. Et mon premier boulot, on est venu me trouver là-bas. On m'a dit chercher quelqu'un pour faire de l'actualité sur un site internet. Donc j'ai été recruté par le site de DocTB. Et puis voilà, moi j'ai continué à lire Samuel. J'ai acheté Canard PC Hardware pendant des années. J'allais l'acheter et tout en kiosque. Je m'étais jamais abonné d'ailleurs. Ah, Ouais, bah pardon. voilà, j'allais l'acheter tous les 3 mois. Non. Ah, t'as dit un truc, j'ai pas entendu. Non, j'ai dit ah bah bravo. Ah, Non, bah oui, bah écoute, je mais vais je l'acheter, hein, plaisante. c'est Oui, bien. non, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
Et puis après, un jour, Samuel cherchait des gens, et donc il m'a proposé, et j'ai passé un entretien, et voilà. Ouais, c'est lui qui t'a démarché, ouais. Ouais, bah, on en avait discuté, il m'avait proposé, donc après il cherchait des gens, hein, donc je sais qu'il avait vu d'autres personnes, je pense, mais... Parce que... Et... Il y a une anecdote dont on peut parler, on va pas dire qui c'est, puis c'est tout. Mais dans les gens qui cherchaient à l'époque, par exemple, il avait demandé bonjour, écrivez-moi un dossier, machin. Et il y a une personne que je connais. dont on va taire le nom. Oui, on va dire le nom, on va pas dire qui c'est, mais en Non. gros, qui a envoyé un exemple d'article, Ah, je me souviens de cette mais histoire. en copiant à des miens, en fait. C'est génial. Sans savoir que du coup j'étais candidat aussi. Et donc je me suis retrouvé dans la boucle avec le gars qui s'excusait, mais enfin, il savait pas que j'étais au courant ce que c'était, quoi. Donc c'était un peu bizarre. Mais du coup, ouais, il avait copié de mes articles sur un site internet et il s'est fait éclater. Et donc ouais, je lisais Joystick avant Canard PC. En fait, j'ai lu Joystick Canard PC, pas tellement, parce que du coup, je suis encore en Belgique, c'était un peu compliqué à trouver et tout à ce moment-là. Mais oui, j'ai lu Joystick il y a enfin, milieu des années 90, quoi. Et non, c'est pas du tout. Alors, c'est pas Ouais. Malware, c'est pas quelqu'un qui travaille ici maintenant, ni rien. Mais cette histoire, elle est hallucinante quand même, c'est exceptionnel, hein. Bah, Voilà disons que comme quoi faut ouais, jamais. voilà, faire du plagiat sur quelqu'un, Ah ouais. sur des articles en plus qui étaient disponibles en ligne, c'était un peu compliqué, quoi. Bon, les magazines en Belgique, c'est toujours un peu galère. Hein. Dans l'ensemble, les magazines sont plus chers et c'est parfois compliqué à trouver, même maintenant. Bah en tous les cas, vous pouvez le commander sur notre boutique en ligne. Voilà, j'en Ah oui, profite. ça c'est sûr. On envoie en Belgique et partout dans le monde, en Europe, partout. Donc n'hésitez pas à commander les Mac directement sur la boutique. Voilà, y a pas de souci pour ça. Oh, la première parution en Belgique, c'était quand? Ah ça, je sais pas. Je sais pas s'ils ont été distribués dès le départ en Belgique. Canard PC. Joystick, c'était distribué parce que je l'ai acheté en kiosque à l'époque. Mais voilà. Très bonne La seule chose, question, en c'est que tout cas, voilà, ouais. c'était toujours un peu cher et tout. Ouais. Ok. Et du coup, pour en revenir aux Ma petites, enfin, collection. voilà, à tes collections, objets fétiches, tout ça, est-ce que tu... Enfin, pour toi, c'est quoi le gadget le plus bizarre ou un peu le plus... Voilà, qui sort du lot un peu de ce que t'aurais dans... Dans tout, j'allais dire dans tout ton décor. J'ai plein de trucs Ouais, très j'imagine. bizarres. Alors, je crois que le dernier que j'ai eu, alors pour le moment il fonctionne pas trop, mais puis là il est pas. Alors, est-ce qu'on le voit? On voit, ouais. Ouais, alors ça c'est. Alors là il est démonté, la version complète est là. En gros, c'est la partie. C'est une voiture qui parle. Voilà. On va essayer de dire ça comme ça, simplement. C'est un module de synthèse vocale d'une vieille voiture, d'une Renault 25. Ah oui, Ça, c'est un... si... Ouais, ça date du milieu des années 80, en fait. C'est un truc qui te disait quand la voiture avait un problème. Donc ça détectait quand, par exemple, si tu ouvrais les portes quand tu roules, ou s'il y avait un problème au moteur et tout ça, le truc parlait. Ah ouais. Je suis tombé sur ça récemment en fait, parce que j'ai dû discuter pour totalement notre sujet avec un comédien de doublage assez connu. C'est le gars qui fait la voix de Pumba dans Le Roi Lion. Ah, Voilà. génial. Ouais, je l'ai eu au téléphone, on discutait d'autres choses et il me dit, ouais, à une époque, j'ai fait une voix de voiture. Et donc ça m'a interpellé et du coup, j'ai un peu cherché, c'est sa porte arrière droite ouverte, ce genre de truc. Ouais. Du coup, j'ai un peu cherché. Je me suis rendu. Voilà, il m'a dit quelle voiture c'était. J'ai cherché et je me suis rendu compte qu'on trouvait ça pas cher. C'est vraiment le module qui fait la voix. En fait, j'en ai trouvé à 10 euros sur le Bon Coin. Donc, j'en ai acheté deux pour essayer de le faire fonctionner. Et l'idée, quand j'aurai fini, c'est de faire lire les voix.
Pour le moment, j'ai réussi à faire juste sortir un message précis, mais ça nécessite plein de matos pour le faire fonctionner, donc c'est un peu compliqué à faire écouter. Attends. Je vais regarder, j'ai peut-être l'enregistrement ici, je peux l'envoyer, que tu le mettes, mais je suis pas sûr. C'est trop bien, j'avais aucune. J'aurais pas Bah, pensé qu'il y allez. avait des voitures comme ça qui pouvaient parler à l'époque. Enfin, qui avaient. Ouais, c'est un peu particulier. Bah dis donc, on en apprend vraiment Attends. tous les jours, quoi. Moteur. Ah, Pas c'est. d'aucune véhicule. Pas d'intervention, moteur chaud. Consultez la notice véhicule. Stop arrière droit, défaillant. C'est Stop arrière génial. gauche, défaillant. Surchauffe moteur. Arrêtez le véhicule. Pas D'accord. d'intervention, moteur chaud. Voilà. C'est génial. Et du coup, c'est ce monsieur-là que dont on a entendu la voix que t'as. Ouais, que j'ai eu au téléphone et j'ai discuté avec lui. Alors, ça ressemble un peu au vieux jouet, genre Dictée Magique, je crois. Je connais pas. C'est des jouets, en fait, avec une synthèse vocale à l'époque. Alors, on reconnaît pas tellement la voix. Alors, moi, je sais que c'est lui et je lui ai demandé. Je lui ai dit, ok, c'est bien vous. Voilà, j'ai pu vérifier. Oui, c'est lui. C'est un peu particulier dans le sens où c'est pas des vrais enregistrements qu'il y a dans la puce parce que c'est très vieux, hein, ça date ouais, 84-85. Ouais. Donc c'est un système où ils enregistrent qu'une partie de la voix pour dire voilà, le son est à telle hauteur. Enfin, c'est des paramètres du son qui vont recréer la voix derrière. Donc ça reste quand même très artificiel. Et du coup, ouais, le but c'est au moins de le faire fonctionner, d'essayer de lire tous les messages et si j'y arrive à essayer de récupérer le contenu, mais c'est compliqué. Sur le coup, c'est vraiment de l'électronique chelou et voilà. Je suis pas D'accord. nécessairement apte à gérer ça. Mais là, c'est déjà vachement bien que tu as réussi à pouvoir entendre, du coup. Ouais, il y a quelques messages que j'ai réussi à faire fonctionner. Il y en a d'autres, il faut vraiment que je regarde parce qu'apparemment, c'est genre. T'as un truc sur la porte ouverte quand tu roules, donc il faut que le système pense que la voiture roule et le bloquer pendant X Ah, bah secondes. oui, d'accord. Ah Donc oui, c'est un peu tu. Ouais. compliqué. Ah oui, en fait, tu essayes de reproduire le. D'accord. Ouais, faut Oh! reproduire les erreurs en fait. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Ouais, du coup, ça doit pas être facile. Non, Mais. ça nécessite un peu de travail. Ouais, j'imagine, ouais. D'ailleurs, on n'a pas entendu ton petit lapin, là, en parlant de voix. Il a Ben parlé non, ou pas? puis. Non, je crois pas, je l'ai pas entendu, Oh mais. non, la déception. Ouais, il est 9h10. Oh, dommage. Attends. Vous allez voir, c'est flippant, vraiment. Carotte? Il est peut-être planté. Oh, il a sa petite oreille qui bouge. Attends, on va réessayer. Carotte. On va le redémarrer. Ça plante souvent? Parfois, parce qu'il y a un système à l'intérieur. Enfin, la version d'origine, vraiment, avec les serveurs, ça plantait assez peu parce que c'était vraiment. Ça fait juste communiquer. Je crois que là, il a pas redémarré assez. Pas assez longtemps. Oh non, on est en train de tout casser. On va voir qu'il devrait redémarrer. Bon, j'espère qu'il va remarcher. Eh oui, et quand tu lui dis carotte, il est censé faire quoi? Quand on dit carotte, il réagit. Normalement, il y a peu de reconnaissance sur certains mots. Mais c'est Carotte vraiment. nous a quittés. C'est assez aléatoire quand même. Il a un petit nom? D'ailleurs? Celui-là, non, il n'a pas de nom, je crois. Ah, mais toi, tu lui Il y en as pas donné a. un petit nom? Non, mais il y en a un qui s'appelle André. Oh, c'est mignon! Parce que ça a été fait par un artiste. En fait, il y a une version décorée où le visage est différent parce qu'il a été fait par un artiste qui s'appelle André, un graffeur. D'accord. Mais non, celui-là, alors celui-là, comme
Là, on voit, il a un nombril. Ça, c'est un Abastag Tag. C'est la deuxième génération. D'accord, et on le reconnaît par le nombril. Ouais. La deuxième génération a un nombril, la première n'en a pas. D'accord. Et la troisième, il y a une mauvaise caméra. Alors, est-ce qu'il a redémarré ? Carotte ? Non, toujours pas. Oh non ! Non, mais il faut le temps qu'il... Ouais, j'espère qu'on l'a pas fait planter, hein. Non, non, ça prend à peu près de... Comme il y a... En fait, il y a Raspberry Pi à l'intérieur, donc ça prend un peu plus de temps. Attends, je vais vérifier s'il est accessible ou pas. Il va assassiner... Arrête, Evil ! Dis pas ça ! Non, mais tu sais, ça me fait penser... Il n'y a pas un film comme ça, là, où il y a des... Où c'est des... Bah, ça fait Chucky. En fait, il faudrait que ça... Enfin, ça fait un peu Chucky, mais en lapin. Imagine, demain, il se réveille, il commence à faire des trucs bizarres. Non, ça va. Ah oui, les Furbies. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il dit des trucs aléatoires. Donc, il y a quelques phrases enregistrées aléatoirement. Et ouais, parfois, ça fait bizarre parce qu'il est dit à des moments où tu t'y attends pas nécessairement. Ouais, ça doit vraiment... Alors, là, ça doit faire peur. Ah, il y a un épisode des Simpsons qui est comme ça, Mizumi. Rabbit Chucky. C'est ça. Carotte. Ah! Carotte? Ça y est! Carotte. Enfin, oui, peut-être. Bon, d'accord, j'ai pas écouté ce que tu m'as dit. Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est grave flippant. Carotte. Mais... Je sais plus dans quel ordre on doit le faire, en fait. Bah là, on l'a entendu, là, non? C'est lui qu'on a entendu. Oui, bien sûr. Mais c'est une voix jeune, non? Ouais, c'est une actrice. D'accord. Ah oui. Je sais plus si... Attends. Ah, tu trouves Harry? Ok, je suis d'accord. Qui vient de parler de carottes? Si vous croyez que j'aime ça, vous tombez complètement, hein. Moi, ce que j'aime, c'est les puces électroniques et la choucroute. Alors... Ça fait vachement réaliste, en fait. Parce que c'est des voix enregistrées. Ah ouais, la vache. Bon, maintenant, vous me comprenez ou pas? Bon, faut le temps. Voilà. Non, ça doit être hyper surprenant. Ça doit être super surprenant d'avoir une voix... En fait, il donne l'heure et il fait des messages où c'est une voix enregistrée, donc c'est une personne qui a simplement enregistré. Il y a plusieurs langues. Hein. À l'époque, c'est sorti dans plein de langues, donc si on veut, on peut mettre les messages. Il y a des messages en japonais, enfin, il y a un peu ce qu'on veut. En fait, il y a de la synthèse vocale, mais c'est pas la même voix qu'au départ. Parce que c'est une sorte... Enfin, faut imaginer qu'ils avaient un truc genre Siri ou Alexa, sauf que ça coûtait cher en serveur. Et donc, les versions actuelles parlent pas de la même façon. Et là, il est pas réglé pour parler du tout, en fait. Donc ici, il sort des messages. Normalement, il sort un message pour dire l'heure. Et oui. De temps en temps, des messages la journée, mais c'est assez aléatoire. Donc c'est pris totalement au hasard. Ah ouais, il y a juste un gros tas de fichiers. Mais c'est marrant parce que tu vois, avec Alexa par exemple, tu l'entends bien que c'est une voix un peu... Comment dire, je vais pas dire robotique, mais oui. Une voix un peu... tu vois, c'est pas quelqu'un que là... ouais, tu m'étonnes que ton technicien, il a flippé l'autre fois. Oui, non mais là, parce que c'est vraiment... Là, c'est des enregistrements, c'est juste des fichiers MP3. Ouais. Alexa et les autres, c'est de la synthèse vocale, donc ouais. C'est de la voix générée. Plus ou moins réaliste. Ça dépend. Alexa, ça va, je trouve. Enfin, bah, tu le sais que c'est un...
Alexa, tu l'entends tout de suite que c'est un objet, enfin que Bah c'est oui. pas réel, quoi. Puis Alexa, elle a une voix déprimée, quoi, mais. Oui, en plus. C'est pas Ouais. amélioré. Ça s'est un peu amélioré avec le temps. Mais à l'époque, quand on l'a eu vraiment celui qui est au bureau, c'est clair que. Il était déprimé. Ce que j'utilise comme lampe connectée, j'ai que des Philips chez moi. Je vois ça dans le chat. Ouais, oui, j'ai vu. J'ai pratiquement que du Philips Hue, un truc qu'on voit beaucoup chez les streamers, qui est un Nanoleaf. C'est des Ah triangles oui, ouais. colorés. Tu devrais le mettre en décor derrière. En fait, ils sont accrochés au mur dans mon Ouais. salon. Ouais, Donc c'est je peux trop pas les bien changer. ça. C'est trop bien. La Mais bon. dernière fois, de nouveaux trucs cool. Ah, c'est une bonne question ça, Shuzu. Ouais. Montre-nous tes dernières acquisitions. Si c'est pas trop, trop galère à nous Alors, montrer. non, attends, je vais essayer de sortir un truc. Vas-y. Le décor à base de carton, c'est un concept. Bah écoute, c'est sympa, c'est original. Ça montre l'ampleur de sa collection. Wow! C'est quoi? Hop. C'était quoi? Oh my god, ouais, c'est incroyable! Attends. Ah, c'est un... Alors, ce que je vous ai montré, c'est un lecteur vidéo allemand qui date des années 70. Ah C'est pas un oui! VHS. Ouais, c'est pas un VHS en fait. C'est un truc qui lit des films qui sont enregistrés sur des vinyles. Alors là, je vous en Des montre un. films! Ouais. En fait, c'est une sorte de vinyle, technologie complètement idiote, où tu as à peu près 10 minutes de film, pas de vidéo plutôt. C'est un truc sorti dans les années 70, c'est très vieux, c'est très bizarre. Et voilà, ça c'est sorti donc avant les VHS et avant les laserdiscs et tout, c'est le DVD, hein, vraiment. C'est plus vieux que les Ouais. VHS. Et du coup, j'ai trouvé un lecteur, ça faisait longtemps que j'en cherchais un, mais j'arrive pas vraiment à le faire fonctionner. Ah, est-ce que t'as payé ça cher ou pas? Avec les frais de port, ça a coûté 100 euros. D'accord, ok. Mais il est en bon état, il avait jamais servi, je pense. Alors, l'image est en théorie à peu près au niveau d'une VHS. En pratique, ça transmet l'image d'une façon vieille, qui marche bien qu'avec les vieux téléviseurs, et j'ai pas de vieux téléviseurs à la maison. Donc, faut que je trouve une sorte de, faut que je trouve de quoi le faire fonctionner. Pour le moment, j'arrive à voir le son et une image, mais brouillée. Les quelques Ouais. exemples, parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà utilisé sur YouTube, il y a des vidéos. Ils utilisent vraiment des vieilles TV cathodiques pour le faire fonctionner et ils arrivent à avoir une image. Moi, ça marche pas. Alors, le gars de Technology Connection a fait un truc là-dessus. C'est pas un CED. C'est plus vieux en fait. C'est un appareil. Mais c'est le même principe. Donc, c'est des sortes de vinyles qui contiennent de la vidéo. Mais c'est des technologies qui n'ont pas d'intérêt parce que voilà, c'est du truc. Enfin, on l'a vu, le disque, il est flexible. Du coup, ça s'use quand tu le lis. Donc, il y a des chances que si tu lis Ah. vraiment 30 fois, tu risques de l'abîmer, un peu comme les cassettes d'ailleurs à l'époque. Voilà. D'accord. Et non, c'est pas. Et non, monsieur Chess, c'est pas une qualité Ah. d'image le plus chaleureuse. C'est surtout une qualité d'image plus moche. En fait. Voilà. Voilà, c'est dit. Ouais. Et toi, j'ai une dernière question pour ta collection, si je puis dire. C'est quoi l'objet dont tu es le plus... où vraiment tu sais que c'est un objet rare, tu vois, où tu es trop content de l'avoir trouvé, ou ta plus belle pièce, ou la plus rare, ouais.
Le plus rare, c'est Adena Bastag, qui est de la pièce à côté, qui est Adena Bastag décorée, parce qu'ils n'en ont pas fait beaucoup. Ouais. C'est un modèle qui a été sorti à 400 exemplaires, hein, donc voilà. Ah oui. Non, sinon, j'ai quelques prototypes d'ordinateurs, qui sont un peu vieux. J'ai quelques trucs voilà, rares, qui valent assez cher, qui sont vraiment introuvables. J'ai un kit de développement Apple, enfin j'ai deux kits de développement Apple, en fait c'est des ordinateurs qui sont sortis dans les années, au moment où Intel a changé de processeur, il y a 15 ans, ils avaient fait un ordinateur qui était que pour les développeurs, qui devait servir à permettre de proposer les applications rapidement. Normalement les gens étaient censés les renvoyer, sauf qu'il y a des gens qui les ont pas renvoyés, voilà. Ouais. Et donc j'en ai un. Et même chose, j'ai un qui servait à développer des jeux sur Xbox. Parce qu'avec la deuxième Xbox, la Xbox 360, ils ont commencé à développer les jeux sur des Mac. Parce que c'était les mêmes processeurs, enfin, pour plein de raisons techniques, idiotes, ils ont dû travailler sur des Mac à l'époque. Et donc il y a des Mac qui servaient à ça. Qui, même chose, ont dû être récupérés par Microsoft à l'époque, mais de temps en temps on en trouve, donc j'en ai un. Et à E3, ils avaient triché, donc la première fois qu'ils ont montré des jeux Xbox 360, t'avais une manette, t'avais une fausse console sur la... devant les gens, mais fait, c'était un Mac qui faisait tourner les jeux, mais qu'il était caché dans une boîte pour être sûr que personne ne voit. Génial. Il y a quelques photos à l'époque où il y a des journalistes quand même qui avaient vu ce que c'était, parce qu'ils savaient à peu près. Et donc où tu vois qu'il y a des gros Macintosh cachés derrière, dans un coin, surtout, faut pas qu'on les voit. Voilà. D'accord, ah, j'avais pas du tout. Ok. Ouais, ah, c'est un truc qui a pas duré longtemps, assez rapidement, ouais. Ils sont passés sur autre chose, mais c'est des choses qu'on retrouve de temps en temps. Alors voilà, j'ai beaucoup de recherches automatiques sur eBay, sur ce genre de trucs. D'accord. Mais et... parfois, j'ai des recherches sur eBay, ça fait des années qu'elles sont là. Donc, là y a des choses, tu trouves pas l'objet Bah, il faut que quelqu'un en vende un, et puis, surtout qu'ils vendent ça pas trop cher non plus. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que... Là, tu vois, en collection, voilà, j'ai une Apple Watch. Ouais. Il y a une version en or qui est sortie au lancement de la première, en or massif, Et donc, de temps en temps, on en voit passer, mais... Mais ça doit être super cher. 15 000 dollars. Oh, ça va. Ouais, ça valait entre 10 et 15 000 au lancement, et les gens qui les revendent maintenant, bah, les vendent à ce prix-là. D'accord. Est-ce que j'ai déjà fabriqué des pièces introuvables? Pas spécialement. Bon, je n'ai pas d'imprimante 3D, mais... J'ai déjà fait une fois une réparation avec une pièce imprimée en 3D, ça arrive. Mais globalement, non. Et... Oui, ouais. Vas-y. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi, vas-y. En fait, le problème des pièces en 3D, c'est que souvent, pour pouvoir faire une pièce en 3D pour réparer, il faut que quelqu'un ait au minimum la pièce pour pouvoir arriver à la reproduire. Donc ça arrive plutôt sur des objets de grande série, donc... On peut réparer de vieux ordinateurs et certaines choses, mais quand c'est connu, qu'on sait qu'il y en a beaucoup, et oui, bah, si quelqu'un a fait la pièce, ça arrive. On a déjà fait avec DocTB des reproductions de matériel. On avait un adaptateur pour une console, on avait fait une copie, parce que la partie électronique était assez simple, donc on avait fait une copie que celui-là proposait gratuitement, que les gens peuvent le faire eux-mêmes, mais c'est tout. D'accord, mais c'est déjà fini les imprimantes 3D, non? Non, ou ça se fait encore? Ah ouais? Ça se vend, hein. C'est juste que c'est pas grand public. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a 7 ou 8 ans, les gens m'expliquaient, quand j'allais des salons et des choses comme ça, qu'on allait avoir des imprimantes 3D chez tout le monde, que ça allait être quelque chose, voilà, les gens allaient imprimer pour leur réparation et tout ça. C'est pas le cas. Mais il y a plein d'endroits où il y en a, c'est très utilisé pour faire des objets, voilà. Il y a des gens qui font de la fabrication et de la réparation avec, mais c'est plutôt des centres spécialisés, il y a des magasins qui en ont, ce genre de choses. Il y a peu de chances qu'on se retrouve tous avec une imprimante 3D chacun chez soi. Bah oui, ouais.
Puis parce que c'est compliqué, parce que faire le design d'un objet en 3D, c'est compliqué, quoi. Alors, ok, si t'es un monsieur chat, peut-être, que je vois qu'il est là, mais... Mais en vrai, voilà, c'est... n'importe qui peut pas faire ça, quoi. D'accord. Ok. Et il y a une dernière question, toujours dans la même série. Je me demande, est-ce que t'as déjà acheté un objet où tu savais pas du tout à quoi ça servait? Et que quand tu l'as eu, t'as testé plein de choses et t'as découvert un truc genre assez cool, enfin... Vraiment, dans ce cas-là, non. Parce qu'en général, j'ai des recherches où quand je vois des choses, j'essaye de les... de savoir ce que c'est avant quand même pour être sûr. Ouais. J'en parle beaucoup dans le prochain magazine. Ah. Ça m'arrive d'avoir des choses que je n'attends pas nécessairement dans des appareils. Je crois qu'on en avait déjà parlé ici. Comme parfois, quoi bah, quand j'achète des ordinateurs, notamment. Ah, oui. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est pas toujours effacé. On peut avoir des surprises. Ouais. J'ai acheté une fois un ordinateur, il appartenait à un gynécologue japonais. Là, je pouvais imaginer le contenu, il n'avait pas été effacé. Ouais. Parfois on a des surprises et on peut trouver des choses intéressantes dans le contenu. Mais vraiment acheter sans savoir ce que c'est, non. Une ou deux fois, peut-être, ça m'est arrivé vraiment de savoir. En voyant à peu près, ok, ça doit être ça, je suis pas sûr, mais généralement j'évite parce que souvent, quand même, ça peut être cher. Et donc, ouais, je vois quelqu'un, est-ce qu'on a déjà imprimé en 3D une imprimante 3D? Oui! C'est vrai? Il y a des gens qui... Oui, bah, il y a des imprimantes où tu peux en refabriquer une avec une imprimante 3D, mais pas tout, en fait. Il y a des pièces que tu peux pas imprimer. T'es quand même obligé d'avoir des... certaines pièces en métal et ce genre de trucs. Et donc, ouais, l'ordinateur du Japon en question, enfin... Vous imaginez que j'ai acheté ça genre 2017 ou 2018. L'ordinateur avait sûrement plus été utilisé depuis au moins 10 ans, hein, par exemple. Mais ça arrive régulièrement que j'ai des ordinateurs où les disques durs sont pas effacés, ça c'est clair. Même chose sur des appareils photo, ça arrive de tomber sur du contenu qu'on n'attendait pas. Non mais voilà. Oui, j'imagine, ouais. Ça me gêne pas que, voilà, si les gens ont envie de prendre des photos d'eux tout nus, c'est leur problème. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Mais il faut faire attention, quoi. Je pense que c'est mieux pour eux d'essayer d'effacer les photos parce que tu ne sais pas, qui va les récupérer. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Mais ce qui arrive surtout avec les vieux... Oui, alors, j'ai une sacrée collection de dick pics, ça c'est clair. Ce qu'il y a, c'est que c'est souvent des vieux appareils photo avec des formats un peu spéciaux ou pas... voilà, c'est pas juste une carte SD standard. Parce que sur une carte SD, les gens savent comment on les fasse. C'est sur des formats spéciaux que les gens savent pas nécessairement ou qui vendent l'appareil photo comme étant inutilisable, ça arrive. Et donc à ce moment-là, voilà, ils savent même pas nécessairement effacer, mais il y a plein d'appareils photo. Ce qu'on oublie par exemple, c'est que sur beaucoup d'appareils photo, quand on remonte il y a quelques années, t'as une carte SD avec tu stockes tes photos comme d'hab. Hein. Ouais. En fait, si t'enlèves la carte SD, il y a quelques appareils photo qui ont une petite mémoire interne. Donc, t'as quelques mégas pour faire quelques photos, pour que si t'achètes l'appareil photo sans carte mémoire, tu puisses quand même faire des photos. Et ça, les gens oublient. Et d'accord. Donc, quand tu reçois un appareil photo comme ça, t'enlèves la carte mémoire et tu regardes s'il y a quelque chose dedans. Et parfois, il y a des choses. Il y a des restes. D'accord. Ah oui, c'est vrai que ça, on n'y pense pas, en vrai. Hein. Voilà. Ouais. Je sais pas si t'as eu les premiers téléphones portables à l'époque, ils avaient un appareil photo que tu pouvais brancher dessus. Ah non, ça me dit rien du tout, ça. Alors, c'est vrai. Au début des années 2000, l'appareil photo n'était pas dans le téléphone. Ouais. Il était séparé, donc tu pouvais le brancher. Il était amovible, parce que c'était une option qui coûtait cher. Et en fait, les photos étaient stockées dans le téléphone et dans l'appareil. Mais les gens ne savent pas nécessairement. Donc, tu pouvais effacer les photos dans le téléphone et elles étaient toujours dedans. Ouais.
Ouais, c'est pareil, c'est comme quand on dit sur l'ordinateur que, tu sais, quand on vide la corbeille, on pense que tout est supprimé, mais alors que finalement, non. Ouais, voilà. On s'en Alors, peut sur les ordinateurs imaginer. modernes, ça va, on Oui. peut. Mais il faut savoir le faire, quoi. Non, mais si tu vides la corbeille sur un ordinateur moderne, c'est effacé. Ah ouais, vraiment? Quand t'as SSD, c'est compliqué de récupérer les données. C'est un peu différent, mais voilà. Et oui, l'appareil photo pour le Game Boy, bah oui, il y a des photos qui sont stockées dedans si tu le récupères. Après, voilà. Quelqu'un qui a fait des photos avec ça, de toute façon, on peut les relire, mais c'est pas très intéressant parce qu'on voit pas grand-chose. Ouais. Forcément. D'ailleurs, il faudra que je te montre qu'il y a quelques années maintenant, à la rédac, j'avais fait des photos avec un appareil photo à pellicule. Parce qu'il y a des photos de toi dedans. Ah bon? J'ai vu. Et ouais, je suis allé faire. Enfin, je les ai fait développer, mais. Et du coup, il y a des photos de la rédac. Ah, mais faut que tu nous montres ça. Ah, elles sont. J'ai que les miniatures pour le Ouais, moment, en mais tu fait. nous montreras la prochaine fois. Ah mais ouais, je veux voir Tu ne carrément. peux pas faire ça. Et c'est des photos. Oh, le lapin, qui se réveille. Non, c'est Cyril là, qui a Ah, réagi, c'est je sais pas Siri. pourquoi. Oh là là là, je t'ai dit, il se passe des trucs chez toi. Mais ouais, je vais essayer de regarder, mais en fait, c'est des pellicules périmées, donc Ah. les couleurs sont un peu bizarres. Mais il y a des photos de Monsieur Chat aussi. Ah. Il y a des photos de la rédac, je me souviens pas exactement quand je les ai prises. Mais voilà, il y a des. Il faudra que je regarde s'il y en a certaines que je peux faire tirer. D'accord. Ah ouais, ça peut être cool. Moi, je me souviens que tu avais fait des photos avec un petit truc d'une Game Boy. Tu te Ouais, souviens? aussi. Ça, je me souviens là. Ça, je dois avoir la photo de la photo d'ailleurs sur mon téléphone Ouais. de l'époque. Monsieur Chat à poil, non, on n'a pas de photo de Monsieur Chat à Ah. poil. Par contre, Paulinette blonde platine, ouais, ça, on a des photos. Là 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 là, ouais. Une autre époque. Ah là là, Mais bon. je crois Ouais. pas qu'il y ait casque. Ouais. Bon, bah, en tous les cas, si, voilà, si on a les photos, on refera une émission pour que tu nous montres qu'on voit ça. Ouais, mais j'essaierai de les récupérer un jour parce que c'est un format de pellicule un peu spécifique et donc j'ai dû les faire développer en Belgique parce que j'ai pas trouvé de Ah. là-bas auprès de chez moi. Et donc pour le moment, elles sont là-bas. D'accord, ok. Ok. Et je peux pas aller les récupérer. Ah ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu, en parlant de photos, j'ai vu ce week-end, j'ai vu quelqu'un qui utilisait encore un appareil jetable, tu sais, où tu tournais et tu faisais ta photo, et qui Ouais. disait que à faire développer, c'est 20 euros, je crois. Quand ton appareil photo, il coûte 10 euros, je crois, et tu fais pour développer 20 euros, je crois, un truc comme ça. Je savais même Ouais, pas que ça. ça existait encore. Alors, on en voit encore un peu. Bah, même les labos développement, du coup, ça existe encore. Je savais pas du tout. Oui, Kodak. Ouais, c'est ça. Bah, c'est des Ah, Kodak, mais c'est je... dans un format spécial que j'ai dû faire récemment. Ouais, il y a toujours des labos, mais c'est vrai que du coup, juste le développement, ça coûte cher. Parce qu'ici, ça m'a coûté. Je crois que ça coûte 7 euros juste pour le développement de la pellicule. Ah Mais oui, ouais. j'ai pas fait tirer les photos. Au pire, je les scannerai moi-même, parce que j'ai ce qu'il faut, mais voilà, ça va pas plus loin. D'accord. Bon, bah, on a deux. Allez. Je vois que les gens parlent des appareils photo jetables. Ouais. C'est rigolo, en fait, pour des. Ouais, pour des événements, quoi. Genre, tu fais des enterrements de vie de jeune fille, je sais que ça se fait parfois, des choses comme ça, parce que ça donne un rendu un peu particulier. Donc voilà, t'achètes ça pour faire des trucs amusants, simplement. Bah, au moins, t'as ta photo après, quoi. Enfin, faut le faire développer, mais... Ouais, en espérant qu'elle soit à peu près réussie, quoi. Ouais. Oui. Ouais, c'est C'est ça, ouais. surtout ça. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, bah, ça fait déjà tout ça. Et on est déjà à Oui. la fin de l'émission. Bah, en tous les cas, je voulais te remercier, Dandu, pour toutes ces petites découvertes et d'avoir passé ce moment en ta compagnie. Merci beaucoup d'avoir été là. De rien. Du coup, on peut rappeler qu'il y a donc le Canard PC Hardware 48 qui sort la semaine prochaine. C'est ça? Ouais. Tu peux nous dire en quelques mots, ça va traiter de quoi, les gros dossiers? Alors, on va parler de. Bon, un truc que vous connaissez sûrement, vous avez dû remarquer, ça parle un peu de. Oula! Ah!
pourrais pas en acheter avant un certain temps, n'est-ce pas, Pauline? Attends, moi j'ai bugué de mon côté, je sais pas si ça a bugué en général. Je sais pas. Bon, du coup, tu disais quoi? Je disais. Donc, ah oui, ouais, si, oui, voilà, ça a coupé, ouais. 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 Je disais que ça parle de la pénurie de cartes graphiques, et donc vous ne pourrez pas en acheter avant un certain temps, malheureusement. Voilà, il n'y a toujours pas de stock et ça ne va pas se régler tout de suite. Il y a un petit article de DocTB sur un processeur que vous avez sûrement oublié. Il y a un gros dossier sur jouer sur PC est-il un luxe ? Hein ? Voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une carte graphique à 2000€ pour jouer correctement ? Ça, c'est une question. Et surtout, ça va parler de complot. Ah, voilà, ça avec, c'est le mieux. La 5G, Bill Gates, Saddam Hussein, Olivetti, des choses très amusantes. On verra ce que vous en pensez. Dans les autres trucs, on a testé les dernières cartes graphiques qui sortent. Donc, il y a les dernières GeForce RTX et Radeon. Qu'on peut pas acheter, qu'on peut pas acheter, mais... mais elles sont quand même testées. On les a essayées. Non, si vous avez de la chance, vous pourrez en acheter, ça arrive. Ouais. Les Radeon, ils en attendent quelques milliers pour l'Europe. Donc, avec un peu de chance, il y a moyen. Quelques tests. Bon, ça va parler de complot avec d'excellents dessins de Didier Couli. Bon, bah super. Du coup, il sort le 24. Ouais. Et quelques jours en avance pour les abonnés. Les abonnés devraient le recevoir cette semaine. Ouais. Et donc, il y a quelqu'un qui a vu, voilà, ça parle de Saddam Hussein et de PlayStation 2. Ah ouais. Attends, ok. Merci, Lapin, pour ton abo. Bah écoute, merci beaucoup en tous les cas, Dandy, une fois de plus. On va s'arrêter. On va s'arrêter sur ça. Sinon, vous pouvez retrouver dès 14h. Il y a Denis qui streamera sur la même chaîne du Let's Play. Et il y a aussi jeudi l'émission qui sera présentée par Boubou avec Canless Oni et du coup un invité. Voilà, et vous retrouverez la semaine prochaine les 3C de Jules, qui sera en compagnie de Lou Howard, donc qui est une comédienne et youtubeuse. Voilà. Merci Dandu, merci tout le monde, passez une bonne journée, et on se retrouve pour nous dans 2 semaines. Ouais. Bonne journée. Bonne journée à tous, merci beaucoup, bon mardi et bonne semaine. Ciao. Ciao.